Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle brève sur l'actualité. Vous êtes sur Golden Suite TV. La brigade d'intervention rapide de la gendarmerie nationale et le ministère du commerce ont mis le grappin sur des individus opérant dans un réseau de commercialisation de boissons alcoolisées frélatées. Sur les lieux, ils ont fait la découverte d'un bâtiment en état de vétusté. À l'intérieur, des boissons prohibées stockées en provenance d'un pays voisin qui devaient être ventilées sur les différents marchés de la place afin de préserver la santé des populations. Les boissons frélatées saisies seront aussitôt détruites, a annoncé le sous-directeur de la répression des fraudes. L'opération nationale de démantèlement des réseaux de fabrication de produits alcoolisés prohibés a donc démarré le 24 mai 2023. Sur le terrain, d'importantes saisies ont été opérées pour une valeur totale de 41 millions de francs CFA. Et puis au Niger, des militaires putschistes du Niger en proie à la violence djihadiste et jusqu'alors alliés des pays occidentaux ont annoncé mercredi soir à la télévision nationale avoir renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum au pouvoir depuis 2021. On écoute justement le colonel-major Amadou Abdramane. Ce jour, 26 juillet 2023, nos forces de défense et de sécurité réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous. Toutes les institutions ici de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Après donc le Mali et le Burkina Faso, le Niger devient le troisième pays du Sahel miné par les attaques de groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda à connaître un coup d'État depuis 2020. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, a-t-il ajouté. Il a donc affirmé l'attachement du CNSP au respect de tous les engagements souscrits par le Niger, rassurant également la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Sur ce, c'est la fin des brèves sur l'actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro.